ne boli bia Congo. Rebe na bana na yo, rebe na kio. Soki yo tingani, mokoswe la poka nisa. Rama bisaka na yo, lolo bisa soufi. Lolo bisa soufi, lolo bisa soufi. Soki ton voiture yo, toko me mayo na CPI. Rama bengo so salibiso. Bienvenue sur Congo Liberty. Nous recevons aujourd'hui un habitué, M. Robert Poitipongou, dit Moine Boile. Comment allez-vous? Ah, Mike Kwa Mouboti. Ça va? Oui. Mais tout le monde me boile, mais Mike Kwa Mouboti. Alors, M. Robert Poitipongou a été l'un des premiers, en tout cas dans la communauté congolaise, à soutenir et à appeler à l'élection de M. Emmanuel Macron, qui a finalement été élu. Est-ce que vous êtes satisfait, en tout cas je n'en doute pas, du choix que vous avez fait? Mais on va parler du volet africain, de la politique africaine de M. Macron. C'est vrai qu'il vient d'être installé. Est-ce que vous pensez que M. Macron sera différent de Jacques Chirac, de François Hollande? Non, il ne pourra pas l'être, parce que les prérogatives du chef de l'État français, qui dans notre histoire est le président de la communauté, ne changent pas. Et M. Macron... Avant son élection, donc avant le premier tour, j'avais échangé avec un de ses collaborateurs, qui est aujourd'hui au gouvernement, et qui m'avait dit ceci. Nous sommes le 19 avril 2017, dans le 18e arrondissement. Il m'a dit ceci, que ce n'est pas Macron qui viendra changer les choses. Il est prêt à vous accompagner, mais il faut que vous vous engagiez d'abord vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire, il est prêt à vous accompagner? Oui, il est prêt. On a entendu ça avec François Hollande, on a entendu avec Jacques Chirac aussi. Il est disposé et c'est nous, effectivement. C'est vrai ce qu'il a dit. Et il le dit avant qu'il ne soit, avant qu'on aille même au premier tour. Donc il n'a pas menti. Il m'a dit la vérité. Et cette vérité... Il sait qui? Eh bien, c'est un de ses très proches collaborateurs de sa campagne et qui est devenu aujourd'hui et qui est dans le gouvernement aujourd'hui et que j'ai rencontré et tout récemment, pas plus tard que hier, j'étais avec lui hier. Donc il a confirmé que le problème du Congo nous appartient en premier lieu. Alors le problème du Congo nous appartient en premier lieu aujourd'hui parce que vous avez appelé à voter Emmanuel Macron. C'est vrai que vous connaissez, en tout cas je sais que vous connaissez plusieurs collaborateurs d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous leur avez parlé de l'actualité du Congo-Brazzaville, en particulier de celle des massacres dans le Poule? Le président Emmanuel Macron est au parfait de tout ce qui est en train de se passer dans le Poule. Pourquoi j'avais pris la décision non seulement d'adhérer presque 40 jours après la création du mouvement, donc le 17 mai 2016, et je l'ai soutenu jusqu'à son élection. Et je continue à le soutenir jusqu'à aujourd'hui pour l'élection des députés, parce que n'oublions pas que le régime en France est parlementaire. Ça, on le sait, mais c'est un régime parlementaire. Sur le pool, oui. Vous avez parlé des massacres qui se passent aujourd'hui au Congo, même si M. Denis Sassou Nguesso, dans une récente interview sur France 24, a dit qu'il n'y avait pas de crise. Donc, est-ce que vous avez parlé du problème du Congo? Et c'est ce que je suis en train de vous dire, je reviens sur ça, que le régime en France, il est parlementaire. Le président de la République ne fonctionne que avec le Parlement. Il ne peut pas, ce n'est pas un dictateur. C'est quelqu'un qui, dans la Constitution de 1958, celui de la 5e République, le régime en France est parlementaire. Donc toutes les lois seront toujours soumises auprès du Parlement pour l'adoption. Mais pour le problème du Congo, monsieur. Non, c'est moi qui vous le dis. D'accord. Parce que les intérêts de la France n'appartiennent, ne sont pas régis que par le président de la République, mais c'est régi par la Constitution. Or, la Constitution définit un régime parlementaire. C'est pour cela que même au niveau des ordonnances, il y a un processus qu'il faut suivre pour adopter les ordonnances.
ça se fait toujours avec le Parlement. Alors, on va revenir sur le pôle, vous allez m'excuser. On a suivi un reportage d'RFI qui nous a présenté la situation du pôle, en tout cas qu'on connaissait déjà. Oui. Mais elle a été diffusée sur un média de grande écoute. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de ce reportage, en tout cas de la situation dans le pôle, et si vous avez d'autres relais dans le pôle, que se passait dans le pôle aujourd'hui? Il y avait ces médias ne pouvaient pas rentrer dans le pôle sans autorisation du pouvoir. Le pouvoir, toujours, je sais comment ce pouvoir fonctionne. D'ailleurs, quand M. Denis Sassou Nguesso dit qu'il n'y a pas de crise dans le pôle, il sait ce qu'il dit. Et quand quelqu'un dit comme ça, il faut savoir l'écouter. Il ne faut pas prendre les choses à la légère. Qu'est-ce que M. Sassou Nguesso a voulu dire sur le pôle quand il dit qu'il n'y a pas de crise dans le pôle? Il y a eu crise en 1972, avec le coup d'État de Ange Diawara. Quand Ange Diawara rentre à Gomatsissé, donc ce qu'on appelait par le maquis de Gomatsissé, le pouvoir avait en face de lui un rebelle et qui était déterminé à prendre le pouvoir. C'est quand Denis Sassou Nguesso dit qu'il n'y a pas de crise dans le pôle, ça veut dire que c'est lui qui a la maîtrise de la situation dans le pôle. C'est lui qui l'a démarré et c'est lui qui, même ce soir, peut mettre fin à la crise, à la situation dramatique et tragique qui se passe dans le pôle. Il sait ce qu'il dit. Il faut savoir et apprenons à écouter quand quelqu'un dit les choses. En Lari, on dit Mamou, Wamalemouma Bakila Mouloutambi, Bakirimou Mounoua. Quand donc Sassou dit ceci, qu'il n'y a pas de crise dans le pôle, ça veut dire, si je comprends très bien, c'est qu'il a la maîtrise totale de la situation dans le pôle. Vous êtes en train de nous dire que M. Sassou Nguesso est responsable? Il est responsable. Je dis bien, c'est lui qui le dit. Il l'a dit. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les paroles que nous sortons sont les mêmes qui vont nous donner raison. Ce sont les mêmes qui vont nous donner tort. Il y a quand même en face des forces de M. Denis Sassou Nguesso, d'autres les appellent des miliciens, oui. Des citoyens qui se défendent, on va dire ça comme ça. Non. En tout cas, il y a plusieurs morts dans les rangs de l'armée de M. Denis Sassou Nguesso. Je répète. Vous ne pouvez pas nous dire que M. Denis Sassou Nguesso a la maîtrise de la situation. Je répète ceci et je reprécise. Denis Sassou Nguesso, il m'entend, il a dit ceci, il n'y a pas de crise dans le pôle. Donc, il sait ce qui se passe dans le pôle. Il y a eu crise au Congo avec le coup d'État donc le maquis de Gomatsissé avec Ange Diawara, et il y en a eu en 70 avec Kiganga. Mais là, il dit qu'il n'y a pas crise. Ça veut dire tout simplement qu'il sait ce qui est en train de se passer dans le pôle. Et je vous le dis qu'il est à même, quand il a dit qu'il n'y a pas de crise, ça veut dire qu'il est à même d'éteindre le feu qu'il a allumé lui-même. Il n'y a pas de répondant dans le pôle. Il n'y a pas de répondant dans le pôle. Il n'y a pas de rebelle dans le pôle. Il n'y en a pas. D'accord. Alors, il n'y en a pas. Est-ce que vos propos ne rejoignent pas ceux de Mme Ounari, la présidente de l'IDC Frocat, qui dit que M. Ntoumi résiste parce qu'il est alimenté par une partie de l'armée de M. Denis Sassou Nguesso, même si Mme Ounari est revenue sur ses propos? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette assertion-là, puisque plusieurs commentateurs de la scène politique congolaise pensent que M. Ntoumi... Je vais vous dire une chose, une deuxième chose. M. Denis Sassou Nguesso dit ceci au cadre, à la population du pool, au cadre politique du pool. Il dit « Attrapez-moi Ntoumi et emmenez-le-moi ». Mais M. Sassou, il sait que Ntoumi est haï dans le pôle. Ah, il est haï, mais il sait. Il y a des jeunes qui le rejoignent. Il le sait. Donc, à partir du moment où il le dit, si M. Ntoumi était dans le pôle, la poule n'est pas à un kilomètre sous la terre. Le pôle n'est pas à un kilomètre sous la terre. Le pôle est sur la terre. C'est des arbres qui ont peut-être 10 à 15 mètres de haut.
et il y a la plaine. Si M. Ntoumi était accessible, si M. Ntoumi était dans le pôle, la population du pôle l'aurait attrapé. Parce que la population du pôle est en train de souffrir. Oui, mais la population du pôle est en train de souffrir, est en train de périr, est en train d'être massacrée. La population et on leur dit que c'est à cause de la présence de M. Ntoumi. Donc si M. Ntoumi était dans le pôle, la population du pôle serait partie chercher M. Ntoumi elle-même. Qu'est-ce que vous en savez? Ben, parce que M. Sassou a dit que M. Ntoumi attrapez-le-moi et livrez-le-moi. Il sait pourquoi, certainement qu'il a dit ça. Ça veut dire Ntoumi est toujours dans le pôle? Ça, c'est la grande question que moi je me pose. Vous pensez qu'il, est, qu'il serait dans la Bouenza? Je ne sais pas où il se trouve. On a même poser la question à ceux qui sont dans le pool, je pense que personne ne vous dira où se trouve M. Ntoumi. Alors, moi, je veux revenir à la question que je vous ai posée. Je vais terminer par quelque chose de très important. Oui. Il y a une émission, vous avez dit, de RFI. De France 24 et de RFI, oui. Qui est allée dans le pool, qui a parlé de Brazzaville. Mais vous croyez que ces gens-là n'avaient pas besoin de rencontrer M. Ntoumi pour compléter leur interview? Est-ce que vous pensez... Voilà. Est-ce que vous pensez que M. Ntoumi... Oui. ...est alimenté par une partie de l'armée de M. Denis Sassou Nguesso? Oui. À quelle fin? Ou est-ce que M. Ntoumi, pour vous, est un résistant? Aujourd'hui, le débat se pose au sein de la communauté congolaise, que ce soit au Congo ou dans la diaspora. S'il y a des langues qui disent, et ça rejoint ce que M. Denis Sassou Nguesso dit, s'il y a des langues qui disent que M. Ntoumi est alimenté en armes, en munitions, par M. Denis Sassou Nguesso, ça veut dire qu'il y a un lien entre M. Denis Sassou Nguesso et M. Ntoumi. Je dis bien, c'est pas moi qui le dis. Mais s'il y a des gens qui disent que M. Ntoumi... Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense ceci. On vous pose une question. C'est pour ça que je reviens donc à la question que vous m'avez... par rapport à votre question, je précise ceci que si M. Denis Sassou Nguesso dit qu'il n'y a pas crise dans le pool, ça rejoint donc ceux qui disent que M. Ntoumi est alimenté en armes et en munitions par M. Denis Sassou Nguesso. Pour terminer cette séquence, oui. Qui est responsable de la crise dans le pôle? Oui. Est-ce M. Denis Sassou Nguesso ou est-ce Ntoumi ou les deux? Je ne peux pas parler de co-responsabilité. Et il y a, je pense, un organisateur et un commanditaire. Et je vais donc revenir sur ce que M. Denis Sassou Nguesso avait dit en mai 2012 à Oyo. Dans sa langue, je ne cesserai de le répéter parce que ce qui se passe aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso l'avait annoncé. Il avait demandé aux sages et à la population du Nord de rester unis. Lui, il va s'occuper des gens de Nguélé. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors, voilà. M. Denis Sassou Nguesso s'occupe donc, selon vous, des populations de Nguélé. Nguélé, c'est Brazzaville. Hein, dans le sud. Nguélé, c'est le sud. D'accord. Oui. Alors, il y a une autre déclaration qui a fait beaucoup jaser, toujours en ce qui concerne le pool, c'est celle de Mgr Portela, oui. Qui, dans une déclaration, a quand même bien chargé le pasteur Ntoumi. Mm-hmm. Il a appelé les assassinats par les troupes de M. Ntoumi de blasphème, puisqu'il se réclame de Dieu. Mm-hmm. Est-ce que vous ne pensez pas que M. Portela, finalement, a usé... De beaucoup de partialité en ménageant M. Denis Sassou Nguesso. Est-ce que vous l'avez lu? Comment pouvez-vous l'interpréter? C'est ce que je vous ai dit. Que depuis longtemps, depuis 1998, M. Ntoumi a été accusé par les populations du Pool de commettre des exactions. Et ces exactions, aujourd'hui, qu'ils ne les commettent pas ou qu'ils les commettent, aujourd'hui la région du Pool est détruite sous prétexte de la présence de Ntoumi dans le Pool. Je dis bien, la région du Pool est détruite, la population massacrée. Monsieur Denis Sassou Nguesso dit que c'est parce qu'il y a Ntoumi qui est dans le Pool. Donc les massacres, en ce moment-là, il y a deux responsables de ces massacres. Il y a M. Denis Sassou Nguesso et M. Ntoumi. Est-ce que vous n'allez pas trop loin, M. Ntoumi? Non, je dis bien ceci. Il y a quand même un responsable. Je dis ceci.
je vais bien peser les mots. Monsieur Denis Sassou Nguesso dit ceci, qu'il est en train de rechercher Monsieur Ntoumi. Monsieur Ntoumi, plusieurs personnes lui avaient demandé de sortir du pool pour laisser la population, cette population-là, en paix. Puisque c'est Monsieur Denis Sassou Nguesso qui dit que s'il y a des troubles dans le pool, s'il y a des opérations dans le pool, c'est parce qu'il cherche M. Ntoumi. Est-ce que vous le croyez, M. Denis Sassou Nguesso? Est-ce que la parole de M. Denis Sassou Nguesso, excusez-moi de dire ça, a pour vous une valeur? Les paroles de M. Denis Sassou Nguesso sont à prendre avec beaucoup de recul. Pourquoi? Parce que c'est lui, je le répète, qui a dit, qui avait prédit ce qui est en train de se passer. Et c'est lui qui a dit que « Trouvez-moi M. Ntoumi et vous me le livrez ». Et c'est lui qui dit qu'il n'y a pas de crise dans le pool. Et dans tout ça, ça veut dire quoi? Que M. Denis Sassou Nguesso, avec la résistance, s'il faut l'appeler comme tel, de M. Ntoumi, s'il est résistant, mais c'est ce qui est en train de faire disparaître la population du pool. Les massacres, c'est à cause de ça. Est-ce que vous pensez, très sincèrement, oui, que le seul retrait de M. Ntoumi peut arrêter les massacres dans le pool? Est-ce que si M. Ntoumi se retire, on ne dira pas qu'il y a quand même des résidus, il faut continuer? Est-ce que vous pensez que c'est crédible? Est-ce que la solution ne serait pas finalement... En l'arrière, je vais encore dire ceci que... Mputa Yawasa Banyanjiba Fouirin Soni. Mputa Yawasa Banyanjiba Fouirin Soni. C'est-à-dire qu'une fois que la plaie est guérie, les mouches n'iront, ne sauront plus où aller. Ils vont tournoyer. Parce que la plaie a guéri. Robert Pongo, voilà. Sur Congo Liberty, on va terminer cette séquence pour parler des élections législatives au Congo. Comme vous savez, le 16 juillet, les Congolais sont appelés aux urnes pour élire leurs députés. Ce qu'on a du mal quand même à comprendre, c'est que le pays est en train de brûler, en tout cas le cœur du pays, le poule qui est le grenier de Brazzaville est en train de brûler. Ouais. Et les hommes politiques, on a quand même l'impression, en allant à ces élections-là, ont non seulement oublié que ces élections sont la conséquence du coup d'État constitutionnel, mais avec les massacres dans le poule, ils y vont quand même. Est-ce que vous comprenez que la politique de la chaise vide est une mauvaise chose? S'il y a quelqu'un qui a l'habitude, à chaque fois que j'avais une interview de vous, M. Dubois, de parler de cette tragédie dans le pool et de parler de ces élections dans le pool, c'est bien moi, disons au Congo. Et j'interpelle directement M. Parfait Kolela que suite à ce que Brazzaville a connu la nuit du 3 au 4 avril 2016, suite à ce que le pool est en train de vivre aujourd'hui, tu ne peux pas aller à ces élections-là, parce que la situation d'aujourd'hui, elle émane bien de ces élections de 2016, où, prétendument, tu avais été désigné comme étant le gagnant dans les résultats sortis des urnes, et toi-même tu l'as dit. Ce problème n'est pas réglé. Donc tu ne peux pas, en aucun moment, tu ne peux pas partir à ce genre d'élection. À la même occasion, je demande à Pascal Nzatimabiala, patron de l'UPADES, aller à ce genre d'élection, c'est tout simplement nier l'existence de l'ARI. Parce que tu es Bembe, ou parce que tu es Kouni, ou parce que tu es Dondo, et que les LARI qui sont en train de mourir, ce n'est pas ton problème. À tous mes frères Vili du Kouilou, en aucun moment, moi, je peux prendre part ou assister au massacre de la population LARI du pool. Je ne peux pas comprendre et je ne peux pas accepter que un fils du Kouilou puisse aller à ce genre d'élection quand on sait ce que le pool a fait dans ce pays
depuis la période coloniale jusqu'à Massamba Déba. Je ne peux pas comprendre. Et faire cela, se comporter ainsi, aller à ce genre d'élection, alors qu'il y a un an, le Kouilou avait dit non à M. Denis Sassou Nguesso. N'allez pas à ces élections-là. Mais je ne dis pas quand même, c'est-à-dire que je ne dis pas à ces élections. Je ne dis pas. Je ne dis pas que les élections n'auront jamais lieu au Congo. Non. La situation qui prévaut exige de nous tous, à vous fils du Sud, à vous Vili, à vous Bembe, à vous Dono, à vous Lali, qu'on s'asseye d'abord. Il faut qu'on s'asseye. C'est le fait d'aller à ces élections. Vous citez les régions du Sud, sont citées les régions du Nord. Est-ce que vous allez nous faire croire que les nordistes se satisfont de la situation qui se passe dans le pool? Je sais pourquoi je tiens toujours ce discours et ce langage. Est-ce qu'il n'est pas dépassé, votre discours? Non, il n'est pas dépassé. Il est d'actualité. Et il date de 1958. Voire est-ce même que le fait que M. Rokoko ait fait un raz-de-marée dans le Sud ne nous a pas poussé à réviser, M. Jean-Marie Michel Mokoko, à plusieurs reprises, non seulement qu'il a traité les gens du Sud de revanchards et de tribalistes, ça c'est de un, de deux. C'est des vieilles histoires. Non, ce n'est pas des vieilles histoires, nous négligeons rien, moi je néglige rien, c'est des propos qu'un général a tenus. Deuxième élément, M. Mingwa, pendant la grande crise de 2016, le général Mokoko avait bien dit que ces problèmes, ces conflits avec M. Sassou étaient réglés en famille. C'est lui qui tient les propos. Oui, regardez, monsieur Jean-Marie Michel Mokoko, général de son grade, est arrêté. J'étais en prison. Avez-vous entendu la population de Mokoko se lever? Allez voir M. Denis Sassou Nguesso? Non. Oui, mais... Monsieur André Okomi Salissa, qui a combattu auprès de M. Denis Sassou Nguesso? Il est pris, il est jeté en prison. Avez-vous vu les gens des plateaux, donc de l'Ekana, se lever? Non. Donc il y a un problème. Et ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Ce problème, je vais le répéter, que c'est le 15 octobre 1958 qu'effectivement le MSA de Jacques Oupango avait demandé la scission du Congo. Donc ce n'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Il continue, le problème de la division du pouvoir entre le Nord et le Sud, il continue. Donc il faut s'asseoir, ne pas faire ces élections, prenons le temps de s'asseoir, réglons ce problème, Monsieur Denis Sassou Nguesso, qu'il parte, et enfin... il y aura la suite. On verra la suite. La suite, c'est le Mbongi de tous les Congolais. Exactement. D'accord. Parce qu'il faut qu'il y ait un Mbongi de tous les Congolais pour que nous sachions où nous allons. C'était Robert Poitiers-Pongo sur Congo Liberté. Comme vous le voyez, c'est toujours un débat d'hommes, un débat fructueux, un débat où on est dans la contradiction et c'est ce qui fait la force de Congo Liberté. Je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Mingwa.